On a un projet qui s'appelle Midi Midi et qui dont l'objectif est de mettre en avant voilà, tous les talents de cette région. C'est quelque chose qui touche pas du tout à mon sport, c'est complètement différent. Ça va me faire découvrir un nouveau milieu, donc j'ai été partante pour le projet de suite et super enthousiaste. La régate, c'est comment ça va l'air? Ça va, allez. Ciao, ciao. Jeudi matin, le jour se lève. Voilà, il y a 45 nœuds. Un grain, ça dure depuis 4 jours maintenant. Bah, c'est dur. C'est dur, j'ai plus de J2 là depuis 2 jours. Il s'est détruit et voilà, donc je fais route sous Tourmentin. Voilà, écoute, on est. Voilà, c'est lundi soir, notre première journée de. De glisse qui s'achève. Allez, pour reprendre ses marques là, pour aller vite sur l'eau. Alors, on est à 2 jours de l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Ben, c'est un peu en grisaillé, on va dire. Voilà, mais ça glisse toujours. Voilà, c'est la bagarre avec Arthur et Luc là pour la 4e place. Il peut passer plein de choses encore. Hein. Alors voilà l'histoire. Le petit bateau bleu, c'est Arthur le Vaillant. Le petit bateau rouge en dessous, c'est Mehdi Midi. Et donc cette nuit, on va croiser la route de Monsieur le Vaillant. Alors ce sera ou devant ou derrière. A priori quand même plutôt devant, mais sans doute avec peu de marge. Et comme lui, il a toujours un spi, et donc il va plus vite que nous. Ah ben, ça va être tendu jusqu'à l'arrivée. Allez, dernier jour de mer, ça pulse. Arthur, ça va que c'est toi. Et à un moment, j'ai dit, ah, je viens de me le refaire. À la vôtre à tous. Bravo, bonne santé.